Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode, le 32e donc de notre saga Assassin's Creed Origin. Alors, on a des gardes, on va éviter quand même. Quoique ça aurait été sympa de lui sauter dessus, lui. Qui rêve, c'est tout. Alors, enfin, doit exister un reprendre, autre hein. moyen. Je vais te parler de cette Oh, fille, mais c'est une blague? je t'en prie, ne casse plus rien. D'accord. Quelle chance. Par les membres d'Osiris, tu sais te Je montrer savais, cruel. hein. Qu'est-ce qui est arrivé à Je la voulais te fille? taper sur la tronche. Je l'ai regardée deux fois, et la deuxième fois, elle était en train de voler ma plus grosse jarre. Elle s'est évanouie comme un démon en plein jour. À mon retour, des vauriens étaient en train de détruire mon stock. Puisse tout est pareil pourrir au fond du Nil. Je crois que j'ai D'accord. compris ce qui s'est passé ici. Ah bon? Parce que moi j'ai rien compris, hein. Une gamine qui vient voler et puis quelqu'un qui vient tout cramer derrière. Va falloir m'expliquer ce qui se trame ici. Kawit a volé une jarre d'huile à cet imbécile de marchand et elle l'a caché en attendant la nuit. Profitant de l'obscurité, elle a versé l'huile dans le navire et elle y a mis le feu. L'incendie s'est étendu à tout le navire. Pendant que le navire brûlait, Kawit a libéré les enfants retenus sur les quais, mais les Ah bandits ouais. ont dû l'attraper. Le responsable des enlèvements est probablement le propriétaire de ce navire. Pas bête, pas bête. Trouver Kawit et les enfants près du navire des ravisseurs. Ouais. Attends. On va prendre le cheval, non? Bon. Leur navire a une voile colorée qui sort de l'ordinaire. Ok, d'accord. Je peux parler. Bah. Ah, merci le cheval. Quand même, t'as mis du temps, t'es pas très réactif aujourd'hui. En parlant de réactivité, je peux passer d'une partie. Ça va, oups. Voilà. Te pète pas une patte, cracotte. Objectif à proximité. La foule ici, il y a de la foule. Alors, ça sent les gardes à plein nez. Si on peut un le. enfant qui se cache. Et voilà cette voile colorée. J'ai rien vu du tout, moi. Perso, pas de voile. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de voile. Pas de petite fille. Ouah. Les bandits sont à la Oh, je l'ai recherche de eu! l'enfant. Trop fort! Pardon. Wow. J'ai un peu des problèmes de d'ego en fait, de temps en temps, comme Je ça, ferais vite fait. bien d'être prudent par ici. Ah, ok, ça sent les gardes. Vous avez quelque Tiens, chose? c'est. Hey, qu'est-ce... Tot, tot, Rien tot, pour tot, tot. l'instant. Ah, j'ai même pas de quoi les Rien. endormir. Ah, si. Mais on ne peut être Tu vas sûr de bien rien. devoir te montrer. Je vais attendre. Des oiseaux cachés dans les roseaux, on va les débusquer. Cool. Alors, des indices? Rien pour le moment. Oh. Rien jusqu'ici. Juste un. Il faut mettre le feu au Capitaine. portail. Oui, mon capitaine. Ça. Quoi? Approche! Que je t'écrase, insecte! Wow. Y a juste pas Ah, envie de mais se que... laisser tuer. Hey! Mais bouge de là, Voilà! toi! On a des ennuis! Je vais t'étriper pour ça! Ah ouais, 24 en plus. Ça va. Je perso. Hop là! Esquive! Esquive de la morte, Tu vas de la muerte! mourir! Hop! Hop! Ouais, de tout dans la tronche. Voilà, bon, on va taper de Faut que flanc. j'arrête ici! Mais Non? Non, non? Fais pas. Oh! Oh l'autiste! Rapportez! Il a été directement dans le décor, C'est la pas dans cible le dans les flammes. Moi j'aurais pu Attends-toi à crever aussi hein, pour le souffrir. même prix, mais. Ah! Il y en a un qui veut mourir ici. Qui? Qui veut. Oh! Toi tu veux mourir! Salut! Il est à moi! C'est vrai? Non, non, toi t'es à moi. Tu le sais pas encore. Il faut que je parle à cet enfant. Ça c'est le trésor, voilà. Alors, 600 d'XP. Il est où mon capitaine?
Capitaine, mon capitaine. Je l'ai tué où ce... Ici, quelque part. Bon. Il n'y avait rien d'intéressant. Super, dommage. Ah, ici, il y a des flèches. Voilà. Ah, elle a peur. Alors, elle fout la merde et après, elle a peur. Non, mais sérieux, quoi. Alors, une boîte de cèdre, ok, on va prendre tout ce qui passe, des drachmes. C'est ça, hein. C'est la monnaie égyptienne à l'époque, hein, je crois. C'est ton frère qui m'envoie. Où est Kawit ? Ils l'ont emmené avec tous les autres, dans une maison de la ville. La maison d'une dame riche, Gaïa. C'est tout près du temple d'Hathor. Tu vas sauver ma famille ? Au nom de la déesse mère, je le ferai. Ok, on peut pas prendre le bateau, tant qu'à faire ? Bah, après, voilà quoi. Ça irait nettement plus vite, hein. Nettement plus vite, je vous le dis. Allez. Le temps, regarde, le temps que... Waouh. Juste incroyable, ça. Allez, cannabis. Cannabis, non. C'est plus cannabis. C'est... Cracotte. Allez, viens, cracotte, on y va. Ah. Tiens, coupeur de lui. Je suis sûr que je l'ai eu. Bon, on va pas chercher après, ça n'est qu'un... Un genre de flamant rose, je sais plus. C'est pas un flamant rose parce que c'est plus gros. Mais après, oula. J'ai toujours rêvé de chasser. Tac. Directement dans ta tête. Ah, ils sont où mes réflexes? Alors, appelez, c'est nous. Là, ici, quelque part, on y est. Nous y sommes. Bon, on va avancer un peu. Voilà. On va passer ici peut-être. Ça m'a l'air d'être accessible. Ouais, doucement, doucement. C'est pas très discret quand même. Là peut-être dans la cour. Bon, pour le moment j'ai rien. Bon, ils sont là dans le coin, hein, parce qu'il y a des gardes, donc d'office. D'office, il y a du méchant. Il y a des gardes, donc il y a du méchant. Ah. J'aurais voulu, j'aurais aimé être un artiste. Ouais, non, là, c'est un peu abusé. Champion du monde. Alors lui. Hop là. Pourquoi ce garde avait-il une clé? Ah punaise. Pour ouvrir quelque chose d'important. Direct. Waouh, waouh, waouh. Prends ça, Sharon. Aïe. Et c'est qu'il met des coups de flèche, hein. Mais que... Mais que... T'aurais pas dû venir ici. Oh bah moi non plus. J'essaye d'avoir ton pote là à la base. Tu sais ce qui a un problème avec l'arc. Ah ouais. Voilà, tac tac. Alors. Bon, c'est encore une fois pas très discret, hein, parce que... On va dire que j'ai investi... Ardemment et prestamment les lieux. On va dire ça comme ça. À la base. Je l'ai joué à la mode GIGN. Je rentre et puis je toque après. C'est ça, peut-être. Alors. Quoi, elle est dans une cave? Ah, ici peut-être. Ah mais là ça passe, c'est pas... Si ça passe. Psst, psst. J'ai la clé. Psst. Ah, j'ai cru qu'elle allait pas savoir ouvrir la porte. Longue vie à toi. C'est Nef qui t'envoie? Non, c'est Ifri. Où il est? Comment ça? Je t'ai suivi tout le temps. Ramène Mathieu à la maison. Vite.
Eh, hey, pourquoi tu ne vas pas avec eux? Ah ah. Je dois retrouver la maudite romaine qui a fait ça à ma famille. Si tu veux m'aider à la tuer, retrouve-moi chez Nef. D'accord. Bon, 3300 d'XP quand même, on va pas se plaindre. Et... ah non, j'ai dire bim, mais non, même pas. Alors, il y a des quêtes. Nous avons des quêtes. Mortem Romanum. 30? Non, peut-être pas trop, non. Alors, défile la caisse autant qu'il va. 25, 28. À 25, je me le ferai bien maintenant. Je pense qu'il ferait moins le malin. Alors... parce que bon, derrière ça, il doit avoir du beau matos. On est d'accord. Hein? Dommage. Ouais, je pense qu'après, l'emport... ah, ça commence à devenir chaud. Alors, on va augmenter sa santé. Bim! Quoi, je peux pas? Bon, ok. On va augmenter les dégâts alors, c'est pas grave. Je peux plus non plus. Ah, bon, ok. Alors, 216 pour une épée. Chaud. 216. On va regarder. C'est pas trié par catégorie de DPS? Je crois que c'est ça, ici. Non, même pas. Oh, d'accord. Bon. Voilà, catégorie. C'est mieux. Après, j'ai des problèmes. Non. 216, nous avions dit. 216, nous avions dit. 203. 124, la hache. Mais bon, j'aime pas trop me battre à la hache. C'est pas très... comment dire? C'est pas très académique. Alors, ça c'est fait. Les arcs, nous avions... oh, nous avions la possibilité, évidemment. Alors, attendez. On a combien? 500. Ça va, j'abuse pas, lui. Peut-être un petit peu, hein. 500 de DPS. Non, mais... j'en ai un autre, d'ailleurs, en parlant de 500. D'accord, une flèche, trois flèches. D'accord, c'est pour ça que ça fait autant de dégâts. Donc, concrètement, celui-ci fait plus de dégâts. Parce qu'il fait 353 en une flèche. Bah, non, en fait. Je sais pas. Ou alors, il prend moins de temps à charger ses flèches, je ne sais pas. Que sais-je. Alors, nous allons donc... bon, ok. J'allais dire nous rendre vers la quête Romanum. Mais non, en fait. Bon, on va faire ça. Et maintenant, on va reprendre notre quête. On va pouvoir peut-être trancher du méchant. Qui sait? Détruire les jarres empoisonnées. Il y en a combien, d'ailleurs? Ouais, au final, je me suis peut-être acharné à... attendez, on va descendre. J'allais appeler mon cheval. Je me suis... eh, si j'appelle mon cheval, ça fait quoi? Il veut pas. Ok, d'accord. Il y a quand même un minimum d'intelligence dans le jeu. Ça va. J'aime bien... chercher des petits trucs de merde comme ça. Alors, détruire les jarres. Bon, on va courir. Je pensais prendre le cheval, mais finalement, il ne reste que 200 mètres. Donc, le temps de l'appeler, trouver un chemin, machin. Non, c'est pas la peine. Objectif à proxy, appelez c'est nous. Là, il y en a une là. Oh. Après, je suis désolé, à moi c'est... c'est pas personnel, hein, mais quand il y a de l'argent comme ça, des ressources en jeu, je deviens fou, moi. Alors, hop. Vas-y.
Parce que là, ils sont un peu rapides quand même. Hein. Non. Ah. Yep. Et je me casse. Avant qu'on ne me retrouve. T'étais plutôt bien fait, hein. Je suis plutôt fier de moi. Regarde, ils sont encore occupés de dormir. Ils vont encore se demander ce qui se passe. En plus, je suis loin, donc ils peuvent pas me trouver. Faudrait vraiment, ce serait vraiment pas de bol qui, je sais pas, sur un malentendu me trouve. Hein. J'ai l'impression de courir dans le vide. Parce que, ah non, à gauche ici. Oh, tous ces oiseaux à tuer. Oh, ce serait tellement bien. Alors là. Oh, raté. Je peux pas toujours réussir ce que je veux. Ouais, j'aurais pu après lancer un arc, hein, mais ça fait cher. Ah. Ça fait cher pour ce que c'est. Hein. En captivité. Ah ouais, ça. D'accord, ça se trouve là-dedans. On a vu quoi? Oh! Oh! Ah, ça se fait. Ah ouais. Bon, bah, finalement, j'ai même pas le tuer, vous voyez? Il m'a rendu service, merci, l'oiseau. Tu seras sauvé. Bon. Cet endroit est très bien gardé. Sans blague. Bon, pire des cas. Oh! Quoi? LOL! J'ai eu de la chance. Oui, on peut le dire. Le mec, il... J'ai même pas cherché à comprendre, à regarder les alentours. Je suis rentré. Salut. On va tuer lui. Voilà. On va détruire la possibilité d'alarme. C'est déjà ça. Ah, là, il y a quelqu'un. Si je fais ça. Ouais. Oh, aïe, aïe, il pique lui. Il pique sa race. Voilà. Tiens, tu feras moi le malin. Oh, toi, tu. Voilà. Après, je sais pas si. Je suis toujours en recherché. J'ai un doute. Ce que je vois, c'est qu'il y a du... Il y a des sous. Ok, bon. On va remonter. Ça a l'air d'être calmé, j'ai... J'ai pu faire ça tranquillement. Alors ici, il doit y avoir des gardes. Un panier de gâteaux. Je suis arrivé à temps. Je dois m'assurer qu'ils n'empoisonneront personne. Wow. Bon. Tu vis tes derniers instants. Toi aussi, ça tombe bien. Voilà. Détruire. Comment j'ai... Ah, j'allais dire comment je l'ai détruit. Mais non, ça va, ça passe. Oh oh. Ah non. Oh non, c'est pas lui que je voulais. C'est absolument pas lui que je voulais. Aïe. Lui va me faire la... Oh. Wow, wow, wow. Il me fait le derche. Il me fait le derche. Faut quand même avouer. Oh, je l'ai raté. Pas la jouer comme ça. Hein.
Voilà. À la base, c'est pas... C'est pas très académique, mais tant pis. Si je peux, sans me faire péter le derrière, moi je prends. Il m'en reste un maintenant. Et j'ai une flèche. Ok. Bon. Quoi ? Non. J'ai pas pu le faire avoir comme ça. Bah si. Bien joué. T'aurais pas dû venir ici. Hop, merci, au revoir. J'espère qu'il y a personne qui l'a vu ou entendu. Bah si, hein. Bah si. Hein, mais que... Toi, tu vas crever. D'accord, ils font ça. Ils ont le droit de faire ça. C'est légal, ça. Ah, oh, ouais, ça c'est légal de m'enchaîner. Mais il va arrêter de... Ouais, bon, raté. Ok, super. V'là les deux qui s'y mettent maintenant. Aïe. Je suis dans le coin. Je veux partir. Pars-toi. Tiens. Pars-toi. Le mec, il va jouer avec mes pieds longtemps comme ça. C'est juste pour savoir. Hein. Tiens. Voilà, votre merci. Panier de gâteaux. Je dois les détruire, eux aussi. Je ferais bien de vérifier qu'il n'y en a pas d'autres. J'en sais rien, quand j'arrêterai de tuer, de tirer dans le vent, peut-être. J'ai tout tiré dans le vent, lol. Bon allez, hop. Je peux la voir. Vas-y, 1, 2, 3, voilà. Ah, il y a un autre archer. Il est à moi. Il est où l'archer? Aïe. Je dois penser à prendre mon bouclier. Ça, c'est quelque chose que je fais jamais. Merci. Bon. Avec un peu plus de vie, un peu plus de dégâts, vous voyez. Ça passe crème. Bon. J'avoue que j'ai... Oh. Hein, mais que... Quoi? Ah, je pensais que ça allait exploser. Bon, pas de chance. Je sais pas. Et toi, t'aurais dû venir ici? Bon, on va terminer ça, hein. Voilà. Oh! Je crame. Voilà. C'était okay. Les derniers gâteaux. Imhotep ne risque plus rien. Je pense que je vais devoir aller le voir, peut-être. Non? Même pas. J'ai eu l'XP comme ça, cash. D'accord, bon. C'est quoi ça, tiens? Tisserand, d'accord. Elle est belle. Ouais, bof. Après, je vais pas claquer 2500 pour un cheval, ok, mais pour une tenue, je vois vraiment pas l'intérêt, quoi. Alors, on a encore une quête ici. La 30, évidemment. On va regarder dans nos quêtes ici. Est-ce qu'on aurait tout fait? Ouais. Ouais, ok. Ah, le visage du lézard, donc... Bayek rejoint Memphis pour rencontrer le grand prêtre Pacherenta et en apprendre plus sur l'une de ses cibles, le lézard. Alors, eh bien, c'est ici qu'on va se laisser. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous aussi si c'est pas encore fait, bien sûr. N'hésitez pas aussi à voir les autres les autres vidéos de la chaîne. Voilà, merci à tous en tout cas. Bye bye.